Il est vrai que le généreux Michel Chartrand avait beaucoup de mots pour dire ses messages. Certains de ces mots, pourtant voisins du sacré, seraient difficiles à répéter ici. Ni surtout le ton de sa voix. Mais il voulait avant tout convaincre. Je voudrais vous dire que ce qui était extraordinaire chez ce chêne qui s'abat, ce n'est pas le fait qu'il ait été grand orateur, ami des travailleurs et des démunis ou libre penseur. Ce n'est pas non plus ses batailles, son humanisme et son idéalisme, car cela est commun à plusieurs d'entre nous, non. Ce qui est extraordinaire chez lui, c'est l'exercice constant de sa liberté et sa certitude, sa foi inébranlable en l'humanité. Cet homme debout que Michel était, c'est ce que nous devons tous devenir. Le plus bel hommage qu'on pourrait lui rendre, c'est de se dire collectivement, nous aussi on veut vivre debout, on ne laissera pas débâtir le Québec et on va continuer dans la foulée de ce qui a commencé à construire un monde à visage humain. Nous te faisons une seule promesse. La bataille que tu as menée, nous allons la poursuivre et la gagner. Merci, Michel.